Ce soir, this evening, nous allons poursuivre le combat d'hier. We'll continue yesterday's battle. Tout doit être récupéré. Everything, all must be retrieved. Mais je vais partager avec vous un témoignage. Alors, je vais vous faire écouter un témoignage qui nous a toujours bénis. But I'm going to make you listen to a testimony that has already always blessed us. Quelqu'un peut se poser la question suivante. Somebody can ask the following question to himself. Il y a beaucoup de visions. There are many visions. Et qu'est-ce que ça produit après? And after, what does it produce? Est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un qui a eu ces visions et qui a vu les visions venir à l'existence? Have we already seen somebody who had visions and later on had the vision come true? Est-ce qu'il y a même quelqu'un qui était pauvre? Is there even somebody who was poor? Qui a mis ces choses en pratique et qui est devenu béni? And who put those things into practice and finally got blessed? Et avec toi, and with you, lavé, purifié, washed and cleansed, nous allons combattre le diable. We will fight the devil. Nous serons bénis. Toi aussi, tu seras béni. We'll be blessed, and you also will be blessed. Nous ne pouvons pas te laisser dans le monde. Et nous, on combat, on prend les bénédictions. Toi, tu es dans le monde avec la malédiction sur toi. We cannot leave you in the world, and we fight here and leave you in the world with curse on you. Tu dois abandonner le monde. You must abandon the world. Entrer dans la bénédiction. And enter blessing. Avec les enfants de Dieu. With the children of God. Ça va t'arriver aussi. This will befall you. Donc, la sœur Annie. Sister Annie. Va venir ici. On lui donne un micro qui fonctionne bien. We'll come here. We are going to give her a microphone that works well. Écoutez ce qu'elle dit. Listen to that which she says. Et si c'est nécessaire, je pourrais apporter des petits commentaires. If it is necessary, I will bring some little commentary. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Annie Joséphine Payé. Et mon faiseur de disciples, c'est le pasteur Meunier. Je loue Dieu et je lui rends grâce pour tout ce qu'il a fait pour moi. Le Seigneur m'a délivré de la pauvreté, de l'envoûtement, du célibat, de la stérilité. Et il m'a béni. Donc je lui dis infiniment merci pour tout ce qu'il a fait. Et je suis née d'une famille de 11 enfants, côté maman, et je suis la dernière de ma mère. Elle qui a eu 7 femmes et 4 hommes. Mais parmi les femmes, aucune n'a pu travailler. C'est seulement deux hommes, il y a un qui est à la retraite et l'autre en fonction actuellement. Et frère, j'étais chrétienne, j'ai parti à l'église. Tout était difficile pour moi. Et du CP1 jusqu'en terminale, par la grâce de Dieu, je n'ai repris aucune classe. Mais lorsque je suis arrivée à l'université, tout s'est compliqué. Tout d'abord, après le bac, il y a un squelette qui est venu me saluer. Et dans son intention, c'était de paralyser ma main droite. Mais comme j'avais Jésus, j'ai dit au nom de Jésus. Et par la grâce de Dieu, le plan était déjoué. Et j'étais très engagée dans l'église. Rien n'allait. J'étais très pauvre. J'étais étudiante. Sans moyens, grands moyens, je me promenais pour vendre, pour pouvoir aller à l'école. Et j'étais chrétienne, donc je ne pouvais pas vivre la vie de débauche ou bien avoir un copain pour m'aider financièrement. Et au niveau de mes parents, il n'y avait personne. Mon grand frère dont j'ai parlé, qui est à la retraite, travaillait. Et malheureusement, la Citram a été dissoute et il ne travaillait plus. Donc, au niveau financier, c'était difficile. Et la pauvreté faisait que je gérais 1000 francs par semaine. J'achetais un poisson pour faire une sauce d'une semaine. Et au niveau des vêtements,
Mes sous-vêtements, tout était devenu flasque. Et même le soutien que j'avais, un jour, quand j'ai essayé de porter le soutien, la boucle là s'est cassée. J'ai dit à Dieu, Seigneur Jésus, je fais comment? Et le Saint-Esprit me dit, il y avait une épingle, c'est qu'on prend pour attraper l'habit des enfants qui était sur la table, prends l'épingle. Et frère, avec l'épingle que je fermais mon soutien. Mon jupon aussi, pareil. Et dans cette souffrance-là, je sentais le ciel fermé au-dessus de moi et je cherchais la délivrance. Et par la grâce de Dieu, un jour, une sœur qui était dans la communauté où j'étais a quitté cette communauté-là pour rejoindre, pour intégrer la CMCI. Et elle est venue me dire que dans la communauté, les gens font les délivrances. J'ai dit, je vais y aller. Et elle ajoute encore que ceux qui vont dans cette communauté, leur vie change. Bien-aimée, je suis venue, ma vie a changé. Quand je suis arrivée, je suis allée voir le pasteur Meunier qui a demandé que je fasse ma repentance. Je l'ai faite. Après la repentance, on a demandé que je refasse mon baptême. Frère, je n'étais pas d'accord pour le baptême parce qu'on m'avait déjà baptisé par immersion. Donc, pourquoi reprendre mon baptême? Mais comme je voulais la délivrance, j'ai accepté le baptême malgré moi. De sorte que je ne sais même pas quand est-ce qu'on m'a baptisé. Qui sont ceux qui m'ont baptisé? Je reconnais une seule sœur. En dehors d'elle, ben, je n'étais pas d'accord. Mais après ce baptême, j'ai parti à l'église pendant des années. Je n'avais pas de paix. Mais c'est après ce baptême que j'ai eu la paix dans mon cœur. Après le baptême, on a fait le brisement des liens. Et après le brisement des liens, j'ai eu un songe. Dans le songe, il y a un gros serpent qui a été tué, que j'ai tué en songe. Et je signale que quand je me suis donnée à Jésus, quand je suis allée à l'église, dans un rêve, j'ai vu les serpents, comme les spaghettis qui s'imbriquaient les uns dans les autres. Et j'ai crié « Jésus, Jésus ». Mais c'est après le brisement des liens que le gros serpent même a été tué. Et quelque temps après, j'ai fait un autre songe. Je vois ma grande sœur de même père et de la même mère qui est décédée. Elle vient, elle me dit, « Je tiens tes bénédictions avec moi dans le tombeau. » J'ai dit, « Au nom de Jésus, j'arrache. » Je tiens ton mariage au nom de Jésus, j'arrache. Et Dieu merci, en 2007, je me suis mariée. Mais quand j'arrivais, j'étais en train de faire le 2EA. Le 2EA, c'est le diplôme d'études appliquées, d'études approfondies plutôt. Et ce diplôme-là, on le fait à 6 mois. Mais j'ai fait le mien en 3 ans. On me donne un thème. J'ai fait, on dit, c'est pas bon. J'ai eu jusqu'à 5 thèmes. J'ai tout traité. J'ai traité de l'introduction jusqu'à la conclusion. Et un jour, et par la grâce de Dieu, c'était en 2005, où l'enseignement sur l'importunité a été enseigné. Et j'ai commencé à importuner Dieu. Et Dieu merci, l'enseignant même qui bloquait, dit, tiens, va te trouver ton encadreur pour t'encadrer. J'ai rendu grâce à Dieu dans mon cœur. Et comme j'étais un peu déboussolée, j'ai essayé de joindre le pasteur Meunier qui était en voyage en ce temps-là. Et j'ai appelé maman Colette, sa femme. Et elle m'a demandé qu'on refasse. Elle a demandé qu'on refasse mon brisement des liens. C'est ce qui a été fait. Et bien aimé, le travail qui n'était pas bien et qui traînait avec les encadreurs, 2 semaines après, on m'appelle, on me contacte pour faire la soutenance. Et je suis allée faire la soutenance. Et quand j'ai fini, bien aimé, on était en train de faire... Avant, ce n'était pas le renversement des principautés, mais c'était un moment de jeûne de 30 jours pour le renversement des idoles. Et pendant cette période, j'ai fait un rêve. Je me suis retrouvée dans une maison, dans un magasin, un supermarché. Et je constate que dans ce supermarché, il n'y avait que les cumagis blancs,
les cumagies jaunes. Je dis, mais pourquoi dans ce magasin, il n'y a qu'un seul article? Donc, si tel est le cas, je vais retourner. Et pendant que je voulais sortir, j'ai vu que la porte était hermétiquement fermée. Il n'y avait même pas de porte. Je voyais juste une porte qui a été remblayée par les briques. Donc, c'est-à-dire, j'étais emprisonnée. Et je me suis mise à prier. Il y a une ouverture, il y a une porte qui s'est ouverte. Et ensuite, j'ai dit non, pour ce genre d'édifice, la loi de l'architecture voudrait qu'il y ait deux sorties. Et je me suis mise encore dans un autre côté et j'ai prié. Quand j'ai fini de prier, la deuxième porte aussi s'est ouverte. Et je suis sortie sur une voie bitumée. Et après le DEA, c'est le doctorat. Je me suis inscrite. Mais quand après l'inscription, je suis tombée malade. Et dans un songe, j'avais vu un serpent. J'ai peut-être tué le serpent. Mon talon a touché, mon pied a touché, la plante des pieds a touché le serpent. Et quand je me suis réveillée, je sentais la partie me démangeait. Et j'ai fait 7 mois de maladie. Pendant cette période, je ne pouvais ni lire ni écrire. Donc c'est comme si toutes les années d'études étaient vaines, parce que je ne pouvais pas lire. Et par la grâce de Dieu, les frères ont prié. Les anciens m'ont rendu ministère. Un jour, je dors, on fait sortir un objet de mon pied. Et cet objet, ça ressemble un peu au signe de Maïkari. Et quand l'objet a été extrait de mon pied, j'ai recouvré la guérison. Et j'ai fait ma thèse. Mais lorsque j'ai fini la rédaction de la thèse que j'ai déposée, j'ai eu un accident de circulation qui a failli m'ôter la vie. Mais par la grâce de Dieu, je ne suis pas morte. Et c'était pendant la période de la poste, la période après la crise électorale de 2010. Et pendant cette période, j'ai crié à Dieu pour le travail. Tu m'as béni. Je n'ai pas le travail. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et c'est pendant cette période-là, Dieu nous a bénis avec l'enseignement, avec sa parole. Et je disais tout à l'heure que j'avais eu un accident de circulation. Et pendant cette période, j'étais malade. Je prenais les médicaments. Mais j'avais commencé un jeûne pour prier que le Seigneur me donne le travail. Et je m'arrêtais à midi. Et pendant la période, Dieu a permis qu'on ait l'enseignement sur le renversement des principautés. Et là, le pasteur avait enseigné ce jour qu'à cause de la malédiction familiale, une personne peut être bloquée. Dieu peut te bénir, mais si la famille est maudite, tu ne peux pas avancer. Et il a pris l'exemple de Daniel, Daniel chapitre 9. Et Daniel a pris 21 jours de jeûne. Et il nous commandait de faire les jeûnes de 21 jours. Ce n'était pas 40 jours comme nous avons aujourd'hui, mais c'était 21 jours. Donc, dès que j'ai entendu l'enseignement, j'ai dit, donc je vais prolonger mon jeûne. Au lieu d'arrêter à midi, je vais aller jusqu'à 18 heures, faire mes 21 jours. Frère, quand j'ai résolu dans mon cœur de jeûner, le ciel m'avait déjà exaucé. Le lendemain, mercredi, je suis rentrée dans un jeûne. Et jusqu'au soir, j'ai jeûné jusqu'au soir, malgré les médicaments. Et la nuit, je dors, je me retrouve au village, dans la cour familiale. Et dans cette cour, c'était la pauvreté, le sol était noir. Et au fond de la maison, je vois mon tombeau. Ce n'était pas les tombeaux carrelés que nous avons, mais c'est les anciens tombeaux. Et les anciens tombeaux, la particularité, c'est qu'il y avait des fissures. Et tu vois, lorsqu'on va au cimetière, pour reconnaître un ancien tombeau, on voit les trous. Et le mien était comme ça. Et j'ai dit, vous m'avez enterré ici. Mais le jour où je vais mourir, où est-ce que vous allez m'enterrer? Et je suis sortie de cette maison de pauvreté en crachant. Et ma salive était telle que, était comme une vomissure. Et après ma sortie, je me suis assise
Et je regardais dans le ciel une petite lumière. J'entendis une voix qui disait, la puissance de la résurrection qui a ressuscité Jésus d'entre les morts va ressusciter le corps. Frère, Dieu m'a ressuscité. Jesus. Et l'année là, je signale que j'ai eu le bac en 93. Et lorsque j'ai eu le bac, j'ai présenté plusieurs concours, à commencer par le CAFOP, l'ENA, j'ai fait 4 fois l'ENA, j'ai fait l'ENES, IPNET, éducateur spécialisé, éducateur permanent, INFAS, rien n'avait marché. Mais l'année où je suis sortie de ce tombeau-là, le ministère de l'Éducation nationale a demandé qu'il y ait un recrutement exceptionnel d'enseignants contractuels. Et par la grâce de Dieu, j'ai déposé mon dossier, j'ai été retenue pour une première fois. Jésus-Christ. Et je suis allée enseigner au collège moderne d'Abengourou. Et pendant que j'y étais, je disais à Dieu, Seigneur, tu m'as appelé à enseigner, mais ce n'est pas ici que je dois. En tout cas, je sentais dans mon âme que ce n'était pas ma place. Et j'ai supplié Dieu. Pendant que j'y étais, j'ai supplié Dieu, en tout cas j'ai continué le travail pour que Dieu m'aide à soutenir mon doctorat. Et Dieu merci, Dieu m'a exaucé. Pendant que j'ai prié, je disais à Dieu, force la main du Pharaon. C'était le Saint-Esprit qui me conduisait parce que Dieu a forcé la main du Pharaon. Et Dieu m'a accordé le doctorat. Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Et quand j'ai eu le doctorat, il faut aller encore supplier Dieu pour le travail. J'ai encore continué avec le renversement des principautés. Et Dieu m'a béni. Il a permis que je sois recrutée comme une enseignante-chercheur à l'université Pelofrogon-Koulibaly à Korogo. Jésus-Christ. Jésus. Où j'exerce depuis 2013. Et frère, je signale que j'ai eu le bac. Après le bac, j'ai fait 20 ans avant d'avoir le travail. J'ai eu le bac en 93 et j'ai été dans la fonction publique, c'est le 12 novembre 2013 que j'ai eu le travail. 20 ans. C'est-à-dire que j'étais même au soir même de 2013. Et Dieu m'a béni avec le travail. Donc ça me fait 11 ans d'exercice. Et je loue Dieu. Après cela, je vois que j'étais mariée, comme je l'ai mentionné, en 2007, mais je n'avais pas d'enfant. Et il fallait faire encore le renversement des principautés pour avoir les enfants. Après le mariage, j'ai eu 2 fausses couches. Et pendant que je me larmentais, le Seigneur me disait que mon problème était spirituel. Et par la grâce de Dieu, un jour, mon grand frère m'a révélé que notre père avait adoré le palmier. Et dès que j'ai entendu, j'ai commencé à supplier Dieu. J'étais dans le baka. J'ai commencé à supplier. Et un jour, j'ai fait un songe. Nous étions quelque part sur l'eau. Il y a un monsieur qui avait eu beaucoup d'argent, mais un autre monsieur, Mess, qui allait le rattraper, il l'a ramené dans le groupe. Mais moi, j'y étais. Je suis sortie, il m'a vu et il m'a laissé partir. C'était le début d'une délivrance. Ensuite, j'ai fait un songe dans lequel on donnait des enfants aux femmes. Et les femmes l'ont dit, non, 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 moi, je ne le fais pas. Non, 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 non. Elle dit, d'accord, si elle ne veut pas, donnez-les-moi. Pendant que j'y allais prendre, il y a un animal qui a bondi sur moi. Et je me suis retrouvée par terre, sous l'animal. Je ne peux pas déterminer sa face. Il s'apparente à un ours, à un lion. Mais moi, j'étais en dessous. J'étais sous l'animal. Et je me suis réveillée. Et dès que je me suis réveillée, j'ai commencé à prononcer, à réciter Zacharie 4, verset 7, qui dit, « Qui es-tu, grande montagne ?» Ainsi, tu n'es pas l'Éternel, Dieu des armées, tu seras aplani. Et j'ai commencé à proclamer, qui es-tu, grande montagne, devant Joséphine? Ainsi, tu n'es pas l'Éternel, Dieu des armées, tu seras aplani.
proclamer la parole, proclamer la parole. Frère, j'ai même pas dit à mon faisait des disciples pour qu'on fasse même des délivrances et tout. Et quelques temps après, frère, on était en train de faire le renversement des principautés. J'attendais mes menstrues qui ne sont pas venues. J'ai attendu quelques jours encore. Je vais faire le test et il était positif. 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 Le test de grossesse était positif. Et Dieu m'a béni le 17, le 25 mars 2017. Dieu a permis que je sois mère d'un garçon. Après 10 ans de mariage, frère, Dieu m'a délivré. Il m'a béni. Et comme je l'avais dit, mes richesses qui avaient été prises, aujourd'hui, Dieu m'a béni avec la richesse. Parce que la richesse, ce n'est pas seulement les finances et autres, mais Dieu m'a béni avec des terrains. J'ai terrain à Korogo, j'ai terrain à Yamoussoukro, j'ai terrain à Abidjan, j'ai terrain à Dabou, j'ai terrain à Daloa. Alléluia. Donc, les richesses qui avaient été volées, Dieu a permis. Ce matin, je suis partie voir un terrain que j'ai acquis à Quartier, quoi, ici. Donc, je suis infiniment reconnaissante à ce Dieu qui m'a délivrée. Il m'a délivrée de la pauvreté. Moi qui n'avais rien, qui pleurais, Dieu a essuyé mes larmes. Il m'a donné le travail. Il m'a donné le mariage. Il m'a donné les enfants. Le diable avait tout volé. Comme je l'ai mentionné depuis le début, que mes sœurs, 7 femmes, aucune n'a pu travailler. Et aujourd'hui, Dieu m'a permis aussi de bâtir des studios même au village. Alléluia. Donc je suis infiniment reconnaissante. Et ce qu'il a fait pour moi, Dieu peut le faire aussi pour toi. Il peut le faire. Donc il faut donner ta vie à Jésus. Et Dieu va te bénir. Répands-toi de tes péchés. Accepte le brisement des liens. Accepte la formation des disciples. Et tu seras béni. Amen. Si vous avez écouté le témoignage de la sœur Année, if you have listened to the testimony of Sister Année, qu'est-ce que sa sœur qui était morte a dit? What did her sister who was dead say? J'ai ta bénédiction. C'est-à-dire, sa sœur lui dit, j'ai ta bénédiction, c'est moi qui. Tu es béni, mais j'ai pris. Her sister said, I took your blessing. Et quand tu la vois, and when you see her, quelqu'un que Dieu avait prédestiné à être. Avoir à faire des bonnes études, à être docteur, être professeur de l'université, se retrouve 20 ans dans la souffrance. Somebody, when you see her, somebody that God predestined to be a teacher at university, finds herself 20 years. Sa sœur morte à ça. Her dead sister. Dans la tombe. Possessed it in the grave. Beaucoup sont dans cet état. Many are in this state. Elle, c'était sa sœur. Concerning her, it was her sister. Peut-être pour toi, c'est ton père, ta mère, ou même un ami ou une amie. But as far as you are concerned, it can be your father, your brother, your sister, or a friend. Les bénédictions existent dans chaque vie, spirituellement d'abord. Spiritually speaking, blessings exist in each life. Si on te regarde spirituellement, on peut voir comment tu seras grand, béni. When we look at you spiritually, we can see how you can be a great man, blessed. Dieu peut même te montrer dans des visions ou des songes. God can even show you in some visions or dreams. Dieu avait montré à Joseph comment il allait être grand, plus que ses frères. God showed Joseph how he would be great, even more than his brothers. Il lui a donné 2 visions. He gave him 2 visions. Mais ses frères étaient jaloux, étaient mauvais. But his brothers were jealous and evil. Ils avaient décidé de le tuer. They decided to kill him. C'est ce que les sorciers de ton village ou de ta famille font. This is what the sorcerers of your village or your family do. Quand il y a l'avenir, when there is a future, ils veulent tuer la personne. They want to kill that person. S'ils ne tuent pas, if they don't kill, ils prennent ça.
They take it. Ils gardent dans la mort. And they keep it in death. Et tu passes la vie dans la souffrance. And you spend your life in suffering. Si Anne n'avait pas donné sa vie à Jésus, if Anne hadn't given her life elle allait mourir misérable au village, au champ. She would have died miserable in a plantation. Même son champ n'allait pas produire. Even her plantation wouldn't have produced. C'est dans son champ que les hérissons et autres allaient partir s'entraîner. It is in the plantation that a wild animal would be going to train. Les marabouts vont la tromper, on va bénir ton champ, on va bénir ça. Zéro. The witch doctor will deceive her, will bless your plantation. Zero. Il dit, je tiens ta bénédiction. He said, I possess your blessing. Elle dit, je tiens ton mariage. And she said, I hold your marriage. Vous voyez? You see? Les célibataires sont remplis dans le monde. Single people have a lot in the world. Quand tu vérifies, quelle en est la cause? Quelle est la cause? When you check it well, what is the reason? Les sorciers, les esprits de mort ont pris. The sorcerers, the spirits of death have taken them. Les maris de nuit jouent avec toi comme jouent. The spirit husband, they play with you. Tu ne veux pas, ils viennent. You don't want, they come. Et ça apporte la malchance. And this brings bad luck. Quand un mari de nuit passe dans une vie. When a spirit husband passes in a life. Même si on voulait te confier quelque chose, on annule. Even if they want to entrust you with something, they cancel it. Tu es comme quelqu'un sur le visage duquel on a jeté les excréments. And you are like somebody on the face of whom some excrements have been cast. Elle dit qu'il y avait une tombe. She said that there was a grave. J'ai voulu qu'elle rentre témoignage parce que elle est déjà visiblement bénie. On voit. She testified because she is visibly blessed. We can see it. Ça montre que toi aussi qui as vu en vision que la tombe est cassée, ça va venir. It shows that you also saw in a vision that the tomb was broken. This will come true. Elle est sortie de sa tombe, vieille tombe. She came out of her tomb, an old tomb. Fendi dit que c'est ici que vous m'avez enterré. She saw it divided. She said, so this is the place where you buried me. Son esprit était déjà vivifié. Her spirit was already revived. Parce que quand tu donnes la vie à Jésus, because when you give your life to Jesus, Jésus vivifie ton esprit. Jesus gives life to the spirit. Même s'il y a des combats, even if there are battles, mais ça ne sera plus comme les combats de cadavres. It will not be like the battles of dead people. Elle est sortie de la maison, là, était vieille, vieille, pauvre, le sol était noir. And the house from which she got out was an old house. Oh, c'était la tombe. But it was the tomb. Elle est sortie. She came out. Là, voilà. There she is. Le diable, toutes les barrières du diable ont été brisées. Elle est bénie, comme Dieu avait prévu, la bénédiction est là. All the barriers of the devil have been broken, and she's now blessed as God planned it. Donc, lis pour nous encore Isaïe 49, verset 24 à 26. Read again for us Isaiah 49, reading from verse 24 to 26. Isaïe 49, du verset 24 au verset 26. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Qu'est-ce que cette parole veut dire? What does this word reveal? Dieu te pose une question. God is asking you a question. Depuis que tu es né, since you are born, est-ce que tu as déjà vu qu'un homme fort, puissant, arrache quelque chose à quelqu'un et la personne le récupère? Tu as déjà vu ça? Have you ever seen that a strong man, a mighty man, snatches somebody, something from somebody, and that person comes and retrieves it? Ne dit-on pas dans le monde que la raison du plus fort est toujours la meilleure? Do we not say in the world always that the one who is stronger is always right? Quand quelqu'un est plus puissant que toi, when somebody is mightier than you, tu as l'argent, you have money, il prend, he takes it, il dit c'est pour moi, and he says it is mine. Tu vas lui faire quoi? What are you going to do? Rien. Nothing. Mais, et Dieu te dit, and God tells you, pour toi là, lis. Yours, read. Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle?
Oui, dit l'Éternel. Le acclamons. Les esclaves. Est-ce qu'on peut arracher ce que l'homme, le méchant a pris? Is it possible for us? Can we go and snatch that which the wicked one has taken? Est-ce qu'il nous est possible d'arracher ce que les méchants ont pris? Is it possible for us to go and snatch à Jésus-Christ that which the wicked one has taken? La sœur d'Anne, elle lui a dit, je tiens ta bénédiction. The sister of Anne said, c'est la sorcellerie, I hold your blessing. Elle pensait que c'est encore avec contre Anne. Elle ne savait pas que Jésus de Nazareth est là. I hold your blessing. And this is witchcraft. She didn't know that the Lord Jesus is there. Elle a seulement dit, j'arrache. Qu'est-ce que tu as dit? What did you say? Non, laissez qu'elle parle. Let her speak. Quand elle t'a dit, je tiens ta bénédiction, qu'est-ce que tu as dit? When she said, I hold your blessing, what did you say? What did you say? J'ai dit, j'arrache au nom de Jésus. Acclamez. Clap. Ça doit nous arriver. This must befall you. Est-ce que ce que l'ennemi a volé peut être récupéré quand c'est déjà dans la tombe, sous les tombes des tombes? Can that which the enemy has stolen be retrieved when it is already in the tombs of the tombs? Est-ce que ce que les reptiles, les pitons ont avalé peut encore être récupéré? Can that which the reptiles and pythons have swollen be retrieved? Yes. Est-ce que ce que les parents morts ont volé, sont avec ça dans les tombeaux, dans les tombes. Est-ce qu'on peut encore récupérer? Can we again retrieve that which the dead relatives have stolen and they are in the tombs with it? Yes. Oui, lis. Read. Oui, dit l'Éternel. Oui. Yes. Dit l'Éternel. Says the Lord. Dis oui, dit l'Éternel. Say yes, says the Lord. Oui, dit l'Éternel. Yes, says the Lord. Dis oui, dit l'Éternel. Say yes, says the Lord. Dis mon ennemi. Je te dis. My enemy. Au nom de Jésus. I tell you in the name of Jesus. Que oui. That yes. Je peux tout récupérer. I can retrieve all. Et je veux tout récupérer. And I will retrieve all. Continue. La capture du puissant lui sera enlevée. Là, c'est Dieu qui déclare. This is declared by God now. Dis amen. Say amen. Et le butin du tyran lui échappera. Amen. Amen. Je combattrai tes ennemis. Dieu entre en guerre. God wage war. Et je sauverai tes fils. Et je sauverai tes fils. And I will save your tiens-toi debout. Stand up. Continue. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Tes oppresseurs. Your oppressors. Ceux qui veulent te manger. Those who want to eat you. Dieu va leur poser une question. God ask them a question. C'est doux, non? Manger quelqu'un, c'est doux? Is it not sweet? Okay, eating somebody. Et il va dire, entrez vous-même dans la marmite. And tell them, you yourself, go, get into the pot. Entrez vous-même dans la marmite. Get, you yourself, get into the pot. Comme c'est bon là. As it is good. Allez, entrez. Okay, go in. Acclamons pour Jésus. Let us clap for Jesus. Oui, lis. Yes, read. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel ton sauveur. Dis, alléluia. Dieu est engagé maintenant lui-même. God himself is now committed. Il dit, il va se révéler aux hommes. He says that he will reveal himself to men. Qu'ils soient vivants ou morts. Dead or alive. Il va se révéler à eux comme étant ton sauveur. He will reveal himself as your savior. C'est pour cette raison que dans les batailles, dans les témoignages,
On dit que le Seigneur était là, les anges étaient là. That's Dieu why était là. In the testimonies, the testifiers often say that God was there, the Lord was there. Dis, je suis fort. Say, I'm strong. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Dis, je suis fort. Say, I'm strong. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Dis, je suis très fort. Say, I'm very strong. Par la puissance de Jésus. By the power of Jesus. Dis, je suis fort. Say, I'm strong. Dis, mon ennemi. Say, my enemy. J'arrache tout ce que tu as pris. I snatch all that you have taken. Au nom du Seigneur Jésus. In the name of the Lord Jesus. Partout où ça a été gardé. Wherever it has been kept. Si c'est dans la tombe. If it is in the grave. J'arrache. I snatch. Si c'est dans l'eau. If it is in the water. J'arrache. I snatch. Si c'est sous l'eau. If it is under, beneath the water, I snatch. Si c'est dans la maison de quelqu'un. If it is in the house of somebody. Ou dans la chambre de quelqu'un. Or ou dans in la the chambre, room. J'arrache. I snatch. Même si c'est suspendu dans les airs, j'arrache. Even if it is hung in the air, I snatch. Si c'est sous les montagnes, j'arrache. If it is beneath the mountains, I snatch. Même si c'est par mes parents, j'arrache. Even if it is by my parents, I snatch. Que ce soit mon petit frère, ma grande sœur, mes grands frères, j'arrache. Be it my junior sister, my elder brother, I snatch. Continue. Keep praying. Prions en langue. Let us pray in tongues, pray in tongues. Tout le monde prie en langue, prie en langue. Everybody pray in tongues, pray in tongues. Arrache ta santé, snatch, ta santé, your health, ta santé. Your arrache ta santé. Arrache ta santé. Arrache ton argent. Arrache tes biens. 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 Arrache ton travail. 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 Arrache tes diplômes. 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 Arrache ta promotion. 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 Arrache tes richesses. 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 Arrache ta mémoire. Arrache ta mémoire. Arrache ta mémoire. Arrache ton intelligence. Arrache ton intelligence. Arrache ta santé spirituelle. Arrache ta santé spirituelle. Arrache ta santé spirituelle. Arrache ta santé physique. Arrache ta santé physique. Ta santé spirituelle. Ta santé physique. Ta santé spirituelle. Ta santé physique. Ta santé financière. Ta santé financière. Ta santé financière. Prie, continue à prier. Ne laisse rien dans les mains de l'ennemi. Ne laisse rien. Ne laisse rien. Ne laisse rien. Qu'ils soient jugés. Qu'ils soient jugés. Qu'ils soient foudroyés. Qu'ils soient foudroyés. Qu'ils soient jugés. Que le séjour des morts soit le séjour des morts. Soit troublé. Que les morts soient troublés. Il est écrit. Il n'y a pas de paix pour le méchant. Il n'y a pas de paix pour le méchant. Il n'y a pas de paix pour le méchant. Il n'y a pas de paix pour le méchant. Urabaka sharaga baga.
Dieu, au nom de Jésus, nous brisons toute opposition. Nous exécutons la volonté de notre Père qui a dit que le butin du méchant lui sera enlevé. Continue à prier. Continue à prier, continue à prier. Tu peux t'asseoir. Dis, nous troublons le séjour des morts. Say, we trouble Hades. Qu'aucun mort ne retienne. Let no dead withhold anything de notre héritage. Of our inheritance. Qu'aucun mort, qu'un esprit de mort. No dead, no spirit of death. Garde avec lui. Keep with him. Dans la tombe. In his tomb, les bénédictions des enfants de Dieu. Blessing of the children of God. Qu'aucun mort. Let no dead. Ne garde avec lui. Keeps with him. Les bénédictions des enfants de the Dieu. The blessings of the children of God. Qu'aucun mort. Let no dead. Ne garde Keeps lui. With him. Les bénédictions des enfants de the Dieu. The blessings of the children of God. Dis d'un commun accord. Say in one accord. Nous arrachons la santé physique. We snatch physical health. Nous arrachons la santé physique. We snatch physical health. Arrache ma santé physique. Say I snatch my physical health. De la tête jusqu'à la plante de mes pieds. From my head to my feet. Même si quelqu'un l'a vendu. Even if somebody has sold au méchant, it to the wicked je one. Brise le contrat. Break the contract. Et j'arrache ma santé. And I snatch my health. Et j'arrache ma santé. Says, I snatch my health. Sois concentré sur ta santé. Be concentrated on your health. Sois concentré sur ta santé. Be concentrated on your health. Tu arraches tes genoux, ton dos, snatch ta colonne vertébrale, your knee, your back, tes yeux, your backbone, your eyes. Tout, tes mains. Everything, your hands. Tu prends les oreilles, take the ears, les yeux, the eyes. Ton estomac. Your stomach. Tes intestins, your intestine, ton cœur, your heart, tes poumons, ton foie, your que personne ne touche. And your liver, let no one touch it. Tu arraches tes bénédictions, j'arrache mes bénédictions. See, I snatch my blessings. Même si ça a été caché, even if it has been hidden, j'arrache par la puissance du Saint-Esprit, by the power of the Holy Spirit, quel que soit l'endroit où ça a été caché, no matter where it has been même hidden, si c'est au fond des mers, if it is beneath the seas, même si c'est dans les lieux plus bas que la terre, even if it is beneath the earth, dans les lieux plus bas que les eaux, if it is in beneath the waters, même si c'est suspendu dans les airs, even if it is hung in the air, même si c'est dans la racine des arbres, even if it is in the root of the, même si the c'est dans les cimes des arbres, even if it is the tree tops, même si c'est dans les troncs à l'intérieur, even if it is in the trunk inside, nous cassons tout, we break all, et nous ramassons tout, and we pick all, nous collect tout. All, we collect même si all. C'est dans une tombe, even if it is in a grave. Commandons qu'elle s'ouvre. We command it to open. Qu'elle s'ouvre. Let it be open. Et nous récupérons. And we retrieve. Tout ce qui nous appartient. All that belongs to us. D'un commun accord. In one accord. Nous brisons la résistance. We break the resistance. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Oh, prions à l'an. Let us pray in tongues. Dis, nous récupérons l'argent. Say, we retrieve money.
Tout. All. Nous récupérons. We retrieve. Quel que soit l'endroit où c'est, ça se trouve. Whatever, no matter the même place si where ça it a été avalé, even if it has been nous swallowed, éventrons tous les reptiles, tous les pitons, tous les serpents. Nous récupérons les biens, nous récupérons l'argent. Nous récupérons l'argent. Au nom de Jésus, nous arrachons les mariages. Toutes les robes de mariage gardées par les démons et les esprits de mort, nous les arrachons. Nous arrachons les alliances. Nous arrachons les mariages. Nous arrachons les alliances. Nous arrachons les alliances. Et nous libérons la voie. And we relieve the way. Pour les mariages bénis, les mariages bénis. Blessed marriages. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous récupérons nous arrachons les promotions. We snatch promotions. Nous arrachons les promotions. We snatch promotions. À tous les niveaux. At any level. Et nous bénissons les enfants de Dieu. And we bless the children of God. Partout où ils se trouvent. Wherever they are. Qu'ils soient bénis. Let them be blessed. Qu'ils soient prospères. Let them be prosperous. Bénis et prospères. Blessed and prosperous. Bénis et prospères. Blessed and prosperous. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous arrachons les progrès spirituels. Nous arrachons la capacité de lire la Bible. La capacité d'étudier la parole. La capacité de comprendre les Écritures. Nous arrachons tout. Nous arrachons toutes les Bibles volées. Gardez le calme. Remain calm. Que le Saint-Esprit travaille. Let the Holy Spirit work. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Même si nous ne connaissons pas le nom de ce qui a été volé, even if you don't know the name of that which has been stolen, nous l'arrachons tout de même. We snatch it all the same. Dis, mon ennemi, nous n'avons pas besoin de connaître le nom. Nous arrachons seulement. Say, my enemy, the enemy, we don't need to know the name. We just snatch. Toi-même, tu sais que ça nous appartient. You yourself know that it belongs nous to us. Nous arrachons. We snatch. Nous arrachons les enfantements. Say, we snatch childbirths. Nous arrachons les enfantements. Say, we snatch childbirths. Lève ta main droite. Raise your right hand. Nous libérons les vrais mariages. Say, we release genuine weddings. Nous lavons tous les visages noircis par les marées de nuit. We wash all the faces that have been darkened by spirit husbands. Nous lavons tout dans le sang de Christ. We wash all in the blood of Jesus. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous détruisons dans les cœurs. We destroy in hearts. Le mépris du mariage. The despise of marriage. Inspiré par les maris de nuit. Inspired by spirit husbands. Nous bannissons des cœurs. Say we ban the heart. Le mépris du mariage. The despise of marriage. Dis va-t'en au nom de Jésus Christ. Say be gone in the name of Jesus. Va-t'en vite. Be gone quickly. Dieu, au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous jugeons dans chaque vie. We judge in every life. Tout esprit. Every spirit. Qui s'oppose au mariage. That opposes marriage. Selon Dieu. According to God. Tout esprit. Every spirit. Qui s'oppose au mariage. That opposes marriage. Selon Dieu. According to God. Tout esprit. Every spirit. Tout esprit. Every spirit. Tout esprit. Every spirit. Qui s'oppose au mariage. That is opposed to marriage. Selon Dieu. According to God. Tout esprit. Every spirit. Tout esprit. Every spirit. Qui s'oppose au mariage. That is opposed to marriage. Selon Dieu. According to God. Tout esprit. Every spirit. Tout esprit. Every spirit. Homme. Man, ou démon, ou esprit de mort, every spirit, tout esprit, spirit of death, every spirit, ou esprit de serpent, spirit ou de piton,
Tout esprit, every spirit, nous jugeons, we judge, nous frappons we strike, et nous chassons. And we cast nous jugeons, we judge, nous frappons we strike, et nous chassons. We cast out, nous jugeons, judge, nous frappons strike, et nous chassons. Cast out, nous jugeons, judge, nous frappons strike, et nous chassons. Cast out. Va-t'en. 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 Va. Go. Au nom de Jésus. In the name of tout esprit every spirit qui s'oppose au mariage that is opposed to marriage selon le plan de Dieu. Nous frappons, nous jugeons, 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 nous frappons. Va-t'en. Va. 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 Au nom de Jésus-Christ. Sors et va-t'en. Sors et va-t'en. Lève ta main droite. Raise your right hand. Lève ta main droite. Raise your right hand. Dis nous frappons. Say we strike. Tout esprit. Every spirit. De mort, de serpent. Of dead, of snake. Tout esprit. Every spirit. Même les êtres humains vivants. Even living human being. Qui pratiquent le satanisme. That practices satanism. Et la sorcellerie. Or witchcraft. Pour bloquer, envoûter. To block and bewitch. Et gâter et détruire. And destroy. Nous vous jugeons. Judge you. Nous vous dispersons. We scatter you. Et nous libérons. We release. Tout vrai mariage. Every comme Dieu l'a voulu. Tout vrai mariage. Every true comme Dieu l'a voulu, 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 comme Dieu le veut, comme Dieu le veut. Comme Dieu le veut. Comme Dieu le veut. Comme Dieu le veut. Au nom de Jésus-Christ. Va-t'en. Sors et va-t'en. Get out and go. Et au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Tout démon. Every demon. Esprit de serpent. Spirit of snake. Ou tout démon envoyé par quelqu'un. Or every demon sent by somebody. Pour se coucher entre le mari et sa femme. To lie between the spouse. Toi démon. You demon. Si tu sais que c'est toi. If you know you are the one qui veut diviser, qui veut who wants détruire to le couple, divide or destroy the couple, nous te jugeons, judge you, et nous te chassons, cast out,
Nous libérons ce foyer. We release that household. Nous délivrons ce foyer. We release nous délivrons ce foyer. We deliver that household. Nous délivrons ce foyer. We deliver that household. Nous t'expulsons. We nous te chassons. Cast you out. Va-t'en. Go. Lève ta main droite. Raise your right hand. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous nous levons contre tout enfoutement. We rise against any bewitchment. Tout ce qu'on appelle enfoutement. Whatever is called bewitchment. Partout où ça a été pratiqué. Wherever it has been practiced. Dans la vie des enfants comme des adultes. In the lives of the children or adults. Tout ce qu'on appelle enfoutement. All that is called bewitchment. Nous cassons cela. Break it. Nous bannissons l'enfoutement. Ban bewitchment. Nous détruisons son pouvoir. We destroy its power. Nous détruisons son pouvoir. We destroy its power. Nous détruisons son pouvoir. We destroy its power. Nous détruisons son pouvoir. Nous libérons les captifs. Nous libérons les captifs. Nous détruisons nos pouvoirs. Nous libérons les captifs. Nous libérons les captifs. Nous libérons les captifs. Nous détruisons le pouvoir de l'envoûtement. Et nous libérons les captifs. Nous détruisons le pouvoir de l'envoûtement. Et nous libérons les captifs. Nous libérons les captifs. Nous libérons les captifs. Captifs. Sortez. Vous êtes libres au nom de Jésus. Sortez. Vous êtes libre au nom de Jésus. Nous brisons vos prisons. Break your prison. Nous cassons tout lieu. Break every place. Oh, l'âme de quelqu'un a été retenue. Where the soul of somebody has been with, nous cassons we break les cabanes, nous cassons les maisons. The shack. Nous cassons les tours. We break the nous towers. Les renversons. We have nous we pull cassons, them down. Nous démolissons les forteresses. We demolish fortresses. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Nous dispersons l'armée ennemie. We scatter the army of the nous dispersons enemy. Les coalitions. We nous dispersons les coalitions. Coalition. 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 Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Nous dispersons les rassemblements des mauvais esprits, des sorciers spirits. Pour travailler. Nous les dispersons. Them. Nous les dispersons. Them. Nous les dispersons. Nous les dispersons. Nous les dispersons. Au nom de Jésus-Christ. Esprit méchant, va-t'en. Wicked spirit, be gone. Esprit méchant, va-t'en. Wicked spirit, be gone. Va-t'en. Be gone. S'il y a quelqu'un, if there's somebody, dont l'âme se retrouve dans une forêt. Your soul is in a forest. Le lieu où on t'a envoûté, c'est la forêt. The place where you have been bewitched is a forest. Et tu te vois toujours dans une forêt. And you always see yourself in a forest. Et tu te vois toujours dans une forêt. You always see yourself in a forest. Nous frayons le chemin. We pave the way. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Nous frayons le chemin. Pave the way. Nous te sortons de cette forêt. And we take you out of that forest. Nous frayons le chemin. Pave the way. Nous frayons le chemin. Pave the way. Nous frayons le chemin. Pave the way. Et nous brûlons cette forêt. And we burn that forest. Nous brûlons cette forêt. 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 Burn that forest. Oraba kasharga bagasharga bagasharga bagas. Oraba kasharga bagasharga bag. Nous frayons le chemin. Et nous commandons à toute âme tenue captive dans la forêt de sortir. De sortir. Au nom de Jésus. Jésus est vivant. Jesus is alive. S'il y a un objet, if there is an object entre les mains de l'ennemi,
within the hands of the enemy qui lui permet de résister. That allows him to resist un objet. An object appartenant à quelqu'un. Belonging to somebody. Un habit. A cloth. Une chaussure. A shoe. Sur des objets sur lesquels l'ennemi fonde sa résistance. The object on which the enemy resists. Du nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous arrachons tout objet. Snatch every object. Sur lequel l'ennemi fonde sa résistance. On which the enemy ground his resistance. Les habits, les chaussures. The clothes, les shoes. Les stylos, les livres, les feuilles. Books. Tout ce qui est entre les mains de l'ennemi. Papers. Whatever is within the hand of the enemy. Nous l'arrachons de ses mains. Snatch it. Nous déclarons libres les victimes. We declare the victims free. Des captifs, sors, tu es libre. Captives, get out, you are free. Dieu au nom de Jésus. In the name of Jesus. J'efface mon nom des annales des sorciers. I clean my name from the record books of the sorcerers. Dieu au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je refuse l'héritage qu'il nous dit. Qu'ils veulent que je prenne. I refuse the inheritance they want me to take. Je refuse cet héritage. I refuse that inheritance. Je refuse l'héritage. I refuse that inheritance. Et je refuse tous les démons derrière cet héritage. And I refuse all the demons behind that inheritance. Je rejette tous les mensonges. I reject all the lies. Qui entourent cet héritage. That are around that. Je me sépare de tous les sacrifices. I separate myself from all the sacrifices. Sur la chaise royale. On the chair, the royal chair. Tous les sacrifices de la chefferie. All the sacrifices. Tous les sacrifices humains. Tous les sacrifices humains. All the human sacrifices. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Je les refuse. I refuse them. Je les condamne. I condemn them. Dieu, au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je me sépare. I separate myself. De tous les sacrifices. From all the sacrifices. De ma famille depuis. Of my family. Depuis le temps des ancêtres. Since the time of the ancestors. Je me sépare de tous ces sacrifices. I separate myself from all the sacrifices. Je me sépare de leur Dieu. I separate myself from their gods. Je déclare. I declare. Que leurs dieux ne sont pas des dieux. That their gods are not gods. Leurs dieux ne sont pas des dieux. Their gods are not gods. Dis, je déclare. Say, I declare. Que leurs dieux ne sont pas des dieux. That their gods are not gods. Je condamne tous les sacrifices. I condemn all the sacrifices. Même si c'était avec le sang humain. Even if it was with human blood. Ou le sang des animaux. Or the blood of animals. Je condamne, je condamne, I je condamne. Condemn, I condemn, I condemn. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Si quelqu'un a été envoûté. If somebody has been bewitched. À travers des sacrifices humains. Through human sacrifices. Avec le sang humain. With the human blood. Nous détruisons ce sacrifice. We destroy those sacrifices. Nous détruisons ces liens. We destroy that. Nous déclarons libre la victime. We declare the victim free. Même si la personne a participé. Even if the person participated. Avant la conversion. Before his conversion. Nous déclarons que la personne est we libre. We declare that that person is free. Maintenant, nous allons juger tous les esprits des eaux cachés now, dans les vies. Now we are going to judge all the spirits of waters that are hidden in lives. Même l'eau bénite. Even tout ce qui est eau. Oh. Blessed water. Water, whatever is water, water, water. Dieu au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Esprit des eaux. Spirit of waters. Nous vous chassons. Cast you. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Partez, sortez, partez, partez. Get out and go, get out and go. Esprit des eaux. Spirit of waters. Partez. Be gone. Vous n'êtes pas de Dieu. Partez. You are not God. Go. Vous n'êtes pas de Dieu. Partez. You are not God. Be gone. Partez. Go. Partez. Go. Partez. Go. Partez. Go. Partez. Go. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus.
Au nom de Jésus, so in the name of Jesus, nous déclarons la délivrance. We declare deliverance de toute personne. The deliverance of every person. Qui a un mari de nuit qui a deux sexes, un mari de nuit ou une femme de nuit qui a deux sexes. Spirit husband or spirit wife who has two sexes. Nous cassons le joug. We break the yoke. Dis, va-t'en, sors et va-t'en. Go and get out and go. Acclamons Jésus-Christ. Clap for Jesus. Témoignage. 10 testimonies. Pose les mains sur ta tête. Lay your hands upon your head. Dis, je me cache sous le sang de Jésus. Say, I hide myself under the blood of Jesus. Qu'aucun esprit ne me suive. Let no spirit follows me. Qu'aucun esprit ne m'attende à la maison. Let no spirit wait for me at home. Qu'il ne se tienne pas sur le chemin. Let him not stand in the way. Que ce qui a été arraché. Let that which has been snatched. Caché dans le sang de Jésus. Be hidden in the blood of Jesus. Que ce qui a été détruit dans le camp du diable. Let that which has been destroyed in the camp of the devil. Ne soit jamais rebâti. No longer be rebuilt. Ce qui a été bâti dans ma vie. That which has been built in my life. La gloire de Jésus. For the glory of Jesus. Ne soit jamais renversé. Let it never be overthrown in the name of Jesus. Que les frères soient bénis. Let the brethren be blessed. Qu'ils soient prospères. Let them be prosperous. Que ce qui a été arraché. Let that which has been snatched. Vienne à l'existence. Come true. Et soit gardé à notre disposition. And be kept